La brume a disparu et les chevaliers avec. Silencieuse, invisible, nos âmes s'échappent. Vers la mémoire des êtres qui nous sont chers. Merci, Maisie. Ah.
est un torque de protection. J'en fabrique pour protéger les personnes qui se rendent seules dans les collines. Mais si vous m'en ramenez un, alors... Erida disait que chaque mort avait un sens. Mais quel est le sens de tout ça? Ils étaient bons. Gentils. Ils n'étaient pas différents de moi ou de papa. Papa dit qu'il est impossible de voir le bout du chemin si on oublie de regarder où l'on met les pieds. Mais alors, comment peut-on rejoindre la route si on perd pied? J'espère qu'elle voit le mal qu'elle a fait maintenant. Dans la lumière vacillante, nos corps s'effacent, silencieuses, invisibles. Nos âmes s'échappent vers la mémoire des êtres qui nous sont chers. Vous revoilà. Merci. Je savais que je pouvais compter sur vous. Que je ne le pensais.
De la part de Pa? Vraiment? Oh, merci bien. Des jours que nous n'avons pas mangé, les Ptio arrivent à peine à garder les yeux ouverts. Il nous manque terriblement, mais il fait ce qui doit être fait. Il fait vivre la famille. Encore merci. Ces bestioles envahissantes ont cassé un autre piège. Non, voyageur. Il n'y avait rien dans les pièges, et il n'y aura rien pendant un moment. Ces terres ont besoin de temps. En revanche, les bêtes à épines sont encore nombreuses. Elles semblent échapper à la corruption.
Mais ces bêtes sont coriaces et trop futées pour un piège ordinaire. J'espère que ces collets seront plus efficaces. Je ne forge pas que des fers à cheval. Qu'est-ce qu'il vous faut? Voilà ce qu'il en reste. La forêt est tout entière devenue folle. Hors de question d'y retourner. Il y a bien une femme cornue qui répand la corruption dans les Landes, oui. Oui. Elle est à la poursuite des droïdes qui ont vaincu Astaroth. Ah, ce vieux fou de Naphane habite par là. Nous avons déjà essayé d'aller le voir. Alors qu'on arrivait au cercle de pierre de Boglan, le loup du druide est sorti de nulle part et a mordu un de mes hommes. Je ne vais pas risquer le peu de chevaliers qu'il me reste pour une ordure qui crache sur la cathédrale. Les essaims de mouches ne nous laissent aucun répit. Nous avons tout essayé. Brûler les cadavres, couvrir les points d'eau, nous imprégner de larmes de pendus, rien n'y fait. Les gens ont des soucis plus graves en tête. Mais les morsures des mouches ont tué notre dernière vache laitière. Ignorer le problème ne le fera pas disparaître. J'ai un peu d'argent de côté, si vous pouvez venir à bout de cette infestation. Quelque chose. Quelqu'un. Quelqu'un comme vous, d'ailleurs. Vous m'avez l'air digne de confiance. Vous pourriez aller à l'auberge des dessous de la grosse bernache dans les hautes terres sauvages et dire à Tobin que Njal passera bientôt régler son ardoise? Je suis un grand amateur de bière et c'est là-bas qu'on trouve la meilleure des environs. Here!
ne suis pas un de ces chevaliers. Je cherche ton maître, Naphain. Est-ce que tu peux m'aider ? Brave bête, je te suis. L'odeur de ce large de Donan. Il craignait que Lilith se mette à votre recherche. Il avait raison. Oui, elle m'a laissé ici. Il est trop tard pour moi. Tout ce que vous pouvez faire, c'est trouver la démone. Je vous aiderai. Allez au nord. C'est là qu'elle se trouve. Elle manigance quelque chose. Encore temps de l'arrêter. Fjorban va vous accompagner. Vite. Thank you.
chair de sang. Il doit y avoir un moyen de s'en débarrasser. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Pensez à cliquer sur le pouce en l'air, à vous abonner et surtout à laisser un petit commentaire. À bientôt.